Eh bien salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Red Dead Redemption Online. Tout simplement parce que c'est vrai que ces derniers temps je retourne beaucoup sur le jeu. Un jeu que j'avais quand même pas mal délaissé par son manque de nouveautés, etc. D'ajouts dans le jeu. On tournait assez en rond facilement. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je sais pas, j'ai eu une petite envie, un petit déclic. J'ai relancé Red Dead 2 et c'est vrai que j'ai relancé le online. Et c'est vrai qu'au final, bah, je m'amuse pas mal. Je fais des petites missions à droite à gauche. Je fais comment, mon rôle de collectionneur. Donc en fait, je m'occupe. Et c'est vrai que je prends quand même du plaisir à le faire. Aujourd'hui, on va faire quoi? On va aller livrer de l'alcool de contrebande, vu que j'ai ma distillerie ici même, du coup. On va aller vendre de l'alcool que j'ai fabriqué. Vous voyez un peu, au niveau de thunes, je suis pas mal, on va dire. Hein, j'ai 10 lingots d'or. En vrai, c'est cool. C'est vrai que c'est un jeu auquel j'ai quand même pas mal joué, il fut une période. J'y jouais avec mes anciens entraîneurs de catch. On farmait le jeu de fou, à faire des missions, à faire et surtout en fait ce qui nous rapportait bien, c'était les trucs de collectionneur. Où faut trouver les alcools anciens, ou des bijoux de famille, ou des cartes de tarot, etc. Et au final, une fois que tu as une série complète, bah tu vas voir Madame Nazar dans le jeu et tu revends ta collection, ce qui te fait rapporter quand même pas mal d'XP, pas mal d'argent. C'est pour ça que vous voyez que je suis niveau 111 sur le jeu quand même, malgré tout. Ce qui est plutôt pas mal, hein. C'est pas... y a des joueurs qui ont un plus haut niveau que ça. Mais je m'en contente, 111 c'est cool. J'ai quand même pas mal joué au jeu, comme je vous dis, fut une période et après j'ai lâché le jeu. Et comme je vous dis, bah là en ce moment j'y retourne. Donc, ça fait plaisir. Je crois que je vais pas avoir le choix qu'aller lui vendre à lui 103, pour 103$. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va y aller. D'ailleurs, lui, qui est Marcel, qui est un Français hein, dans le jeu. Je sais pas, je crois qu'on le voit que dans Red Dead Online, lui. Je suis pas sûr qu'on le voit dans Red Dead, dans le mode solo. Je pense que... Non, je crois que c'est juste un personnage qui est du online, tout simplement. Et c'est lui qui, du coup, nous fabrique nos alcools de contrebande. Il parle beaucoup quand même, hein. Merci, Marcel. Mais ce qui est étonnant quand même, ce qui est très très flagrant, c'est que le jeu, c'est un jeu PlayStation 4, on est d'accord, il est sorti en 2018, mais le jeu reste magnifique en fait, pour un jeu PlayStation 4. Bon là on est sur PS5 hein, forcément, mais le jeu, il est encore magnifique et j'ai l'impression que même, il est quand même beaucoup plus beau que certains jeux PlayStation 5. J'ai pas peur de le dire. Il est quand même. Comment? Il devance, niveau beauté, niveau graphisme, il devance beaucoup, beaucoup de jeux qui sont sortis après ce jeu, du coup, sur PlayStation 5. Il va falloir que je m'arrête. Excuse-moi. Arrêtez ce chariot. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez là! Je dois fouiller votre chariot, bah vas-y. Et tout d'un coup, il va sortir le gun. Ouais, vas-y. Ok. Bon, c'est bon, t'as terminé? Ah, le ref, ça fait 4 fois que tu sors ton carnet.
Tu le ranges, tu le ressors. C'est bon, je peux partir? Au bout d'un moment, j'aimerais bien... Allez, allez, allez. Allez, 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 j'ai pas le temps. Et ouais, du coup aussi, désolé pour ma voix. Hein, j'ai chopé une crève ou un truc comme ça, je sais pas ce que j'ai chopé. C'est vrai que c'est assez chiant. Parce que du coup, bah, j'ai mal à la gorge, j'ai le nez un peu pris. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on fait quand même des vidéos, on est motivé. Ça va, ils ont pas niqué la marchandise. Je suis pas mort, mais je crois qu'ils sont encore en train de me courser. Je crois que c'est en train de me courser. Hein. Et par contre, là, ouais, on voit vraiment rien. Là, on voit vraiment rien. Mais vous voyez que même les effets de lumière du jeu, etc., c'est. Pour un jeu de 2018, sérieux, les gars. 2018. Et il est encore magnifique à regarder. Je prends encore beaucoup de plaisir à me balader dans certains paysages du jeu et c'est incroyable. Par contre, ouais, du coup, ils sont derrière moi. Ça dégage. C'est moi ou j'ai entendu un mec qui a parlé là? Ah oui, au saloon, ok. En espérant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vienne me casser les couilles pour ma livraison. Parce que là, je suis arrivé quand même. Je suis arrivé à Blackwater. Je suis arrivé au. Ouais, ok, mec. Bon, c'est bon. Mission réussie. Bon, du coup, pour 103$. Hein. Mais c'est pas grave, on prend quand même. On prend l'XP du coup. Mais du coup, ouais, il est quelle heure là dans le jeu? Ah oui, il est 21h. Ah ouais. Et j'ai vu qu'apparemment, j'ai plus de concentration là. Merde, excuse-moi. Je regardais pas, frère. Mais reste au sol par contre. Ouais, du coup, attendez, parce que j'ai pas de. Alors, on va manger ça. Ah, c'est pas bon, putain. Voilà, ça. Hop. Bon petit remontant. Oh, tu t'es relevé, toi. Reste au sol. Fais dodo. Voilà. Par contre, son cheval, il est mort, je crois. Hein. Mon cheval, il a piétiné son cheval. Je crois que l'autre, il se relèvera jamais. Hein. Ah oui, attendez, j'ai des trucs à vendre, je crois, au boucher. Eh, allons-y. Ouais, salut. Je peux te vendre des trucs, s'il te plaît. Quoi? Il est où le témoin? Quel témoin? C'est toi, là? Tiens. Tu vas aller rapporter quoi, toi? Tu vas rapporter rien du tout. T'as rien vu. Et là, tu verras encore moins, mon ref. Alors, comme ça. Par contre, ouais, il y en a un qui parle, là. Je sais pas comment on enlève sa voix, lui. Voilà. Ouais, je suis désolé. Comme je vous dis, je suis malade. Donc, du coup, ouais, encore désolé pour tout ce qui est reniflement et. Et un peu la voix qui part en sucette de temps en temps. Par contre, ouais, du coup. Comment on fait? Attendez. Il y a bien. Je crois c'est joueur, non? C'est qui parle? Ok. Alors attends, il est où? C'est lui. Chat vocal, ah putain. Muet, ouais, c'est bon. Normalement, c'est bon.
Mais je suis étonné hein, parce que il y a encore du monde hein, sur Red Dead 2 Online. Moi, je sais que quand j'avais quitté le jeu, les serveurs, enfin les serveurs, non, les sessions étaient beaucoup moins remplies qu'à la sortie du jeu. Mais là, c'est vrai que depuis que j'y rejoue, bah, au final, les sessions sont quand même pas mal remplies. Donc, il y a encore pas mal de joueurs sur le jeu, malgré que Rockstar ont abandonné carrément le online de Red Dead. Ou vraiment, enfin, ils l'ont abandonné, oui et non, parce que des fois, ils ajoutent quand même des choses. Mais c'est vraiment des choses minimes. Bah, tiens, il est là, c'est lui là qui parlait là tout à l'heure. Ouais, il a disparu le bug. Ok. J'ai vu que j'avais une lettre à aller chercher, attendez. Faut que j'aille au bureau de poste. Il est où le bureau de poste? Il est là. Je crois que j'avais... Hop, prendre le courrier. J'avais une lettre. Chasseur de sorcières. D'accord. Et puis du coup, on prend des balles. Collection du chasseur de sorcières. D'accord. Ouais, bah écoutez, ça doit être une nouvelle collection parce que ça je connaissais pas. Hein. Il est là en fait, mais c'est lui là le bougre là depuis tout à l'heure qui parlait. Pourquoi tu fais que... Ah ouais, d'accord, ouais, ça doit être ça. Hop là! Désolé mon pote. Maintenant, on va se tailler. Sinon, il va nous poursuivre le mec. Ça va partir en guerre. Et nous, on est contre ça. Hein. Eh. Allez, salut. Je vais essayer d'aller voir mon camp. Je crois qu'il est là, ouais. Allez, c'est parti. On va aller au camp. Se poser tranquillou. Mais ouais, les gars, rejouer à Red Dead Online en 2024, c'est cool. C'est quand même cool. Il y a de quoi faire. Bon, malgré que, voilà, il n'y a pas autant de nouveautés à chaque fois comme dans GTA Online. Hein. Forcément, il a moins marché que GTA Online. Mais le jeu reste cool. Hein. Le jeu reste très cool, reste très beau surtout. Donc, comme je vous dis. Franchement, allez-y. Allez-y. Continuez de faire vivre ce jeu, quoi, sérieusement. Ah, mon petit toutou. Ça, voilà. On va te caresser. C'est bien. Bon chien. Est-ce que j'ai des trucs à lui vendre à Crips? Je crois que c'est Crips. Ouais. Est-ce que j'ai des trucs à lui vendre? Matériaux. Non, j'ai rien. Production à pause. Donc là, si je veux, je peux aller livrer pour 10 balles. Non, c'est pas Uber Eats, hein, donc non, non. Faudrait que je reprenne la chasse, etc. pour pouvoir le blinder et qu'il me fasse des trucs. Comme ça, je pourrais aller livrer pour beaucoup plus. Mais ouais, faut que je retourne du coup, faut que j'aille chasser, etc. Vu que dans le jeu, il y a quand même des systèmes de métiers. Moi, je vous parlais du métier de collectionneur. C'est celui qui me plaît le plus, entre guillemets. À chercher des objets, etc. sur la map. Et faire des collections. Et comme ça, après, revendre tout à Madame Nazar. Ça rapporte bien. Et ça fait pas mal d'XP. Et il y a beaucoup de collections. Donc, clairement, c'est cool. Mais après, ouais, il y a le métier de chasseur, il y a le métier de comment, de naturaliste, je crois, de photographe. Enfin, il y en a pas mal. Vraiment, il y en a pas mal. Donc, en vrai, c'est très très cool. Il y a de quoi faire sur le jeu. Hein. De ça, plus les missions, etc. Vraiment, il y a de quoi faire. Voilà, on va se reposer, comme ça, au moins, notre bug, ses noyaux vont se remplir. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une courte vidéo, mais je pense que je referai des vidéos sur Red Dead 2 Online.
Bientôt, je ferai une vidéo aussi sur le mode solo de Red Dead. Le 2, bien sûr, vu que j'ai déjà fait le 1 et Undead Nightmare. Je vous ferai le 2 en solo, en vidéo. Et je pense qu'on fera de temps en temps des petites vidéos sur le online. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. C'était Rémi, prenez soin de vous. Bye tout le monde.